Est-ce que vous pouvez, avant de commencer et de parler du projet d'aujourd'hui, nous présenter un petit peu l'Union sportive issoirienne pour la section tir? Alors, Issoire, donc, on est dans le département du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Et donc nous possédons donc 30 cibles 10 mètres en cible électronique, 15 postes à 50 mètres en cible électronique maintenant Sport Quantum, et 15 postes à 25 mètres. D'accord. Voilà. Donc on a démarré avec vous le projet il y a à peu près 6 mois. Alors on aimerait savoir précisément pourquoi vous nous avez choisi, pourquoi vous nous avez fait confiance. Eh bien parce que déjà il y a un esprit sain, entouré de gens qui sont dans le milieu, qui sont compétiteurs déjà. Donc, et puis on a trouvé la technologie des Sport Quantum super conviviale, d'une simplicité également. Mm-hmm. L'exploitation des tablettes et du superviseur extrêmement conviviale. Donc ça a fait une grande partie notre premier choix. Mm-hmm. Et puis ben la présence de du SAV Sport Quantum et aussi mais ça vous le saviez pas au départ et vous avez fait confiance quand même, hein. Oui, mais on a senti dans le dialogue et tout ça la confiance qui était là. Donc Ben, je vous remercie. Alors 6 mois après, j'irai là, on a fait 2 compétitions déjà. Est-ce que tu peux me redire quelles sont les compétitions que vous avez faites? Alors, on a fait les championnats départementaux donc du département du Dôme. Et là, nous venons de faire le circuit auvergnat. D'accord. Donc, c'est un circuit où on fait plusieurs compétitions en Auvergne qui s'incrémentent avec des points qu'on additionne en fonction des classements. Voilà. Donc, ça a amené à 188 tirs sur cette compétition. Donc, d'accord. Et les disciplines que vous avez tirées sur le nouveau stand? Donc là, toi, en tant que responsable, je dirais, tu as été chef de projet, c'est toi qui as porté un petit peu le projet, qui l'a défendu. Oui. Je dirais, aujourd'hui, s'il fallait re-signer, tu re-signerais une deuxième fois? Oui, 100%. D'accord. Oui. La prise en main du superviseur, ça s'est passé comment? Superviseur, donc je connais la concurrence, mais en comparaison avec Sport Quantum, donc je trouve d'une simplicité et surtout très convivial. En une heure et demie de temps de formation à la grosse, tout de suite on est capable de gérer la compétition. D'accord. Donc ça pose pas de problème. Même avec des incidents sur la compétition? Non. Il y avait un incident à gérer, à déplacer une cible, tout ça. C'est, il y a un onglet arbitrage où on trouve toutes les commandes et c'est d'une simplicité inouïe. Enfin, moi je. Chapeau à vous, parce que on voit qu'il y a une réflexion qui a été faite derrière pour que ce soit le plus simple possible, le plus facilement exploitable. D'accord. Au niveau de la cible, est-ce que tu as vu une différence quand tu tires? Tu as quand même un gros parcours de compétiteur derrière toi, donc tu as tiré sur toutes les cibles, je dirais. Est-ce que tu vois, en termes de ressenti quand tu tires, que ça soit sur les petits formats ou sur les plus grands formats, puisqu'ici on voit derrière nous les deux en fait. Est-ce que comment tu te sens quand tu vises la cible? Est-ce que c'est exactement pareil que d'autres cibles? Est-ce que est-ce que t'es dépaysé? Est-ce que c'est tu... Donc franchement, les premiers coups que quand on les a installés, puis les fait les entraînements, franchement, d'un point de vue visuel, je ne vois pas de différence. On voit le centre de la cible, enfin le noir de la cible, je veux dire. Le noir est suffisamment noir, elles sont contrastées. Voilà, c'est suffisamment de contraste pour. D'accord. Ça, niveau visuel, franchement. Et ce, quelles que soient les conditions d'éclairement, parce que ça fait plusieurs mois quand même que vous les avez maintenant, quel que soit l'éclairement, je dirais, vous êtes dans les mêmes conditions confortables pour tirer sur la cible. Ça, c'est pas. Au niveau visuel, aucune incidence pour moi. Ok. Ouais. D'un point de vue, je dirais toujours dans la vie du club, je dirais d'un point de vue entretien, est-ce que tu as des choses à dire? Non, simplement qu'elles sont équipées d'un tiroir pour récupérer les pions. D'accord. Enfin, c'est un atout, c'est un atout indéniable. Et l'accès maintenant, c'est très simple, facile d'accès. Deux vis à dessirer, on sort le tiroir,
Franchement, ouais. Après, sur la mécanique de la cible, on voit que un accès facile, pardon, à l'intérieur des équipements, on peut, avec une formation, bien sûr, changer les équipements sans problème. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter en particulier ou... Non, je... je ne sais pas, je te demande. Non, non. Il peut y avoir une question que tu as. Mais écoute, merci Jérôme. Bah, de rien. Et à très vite. Ouais. Et on va continuer cette belle aventure. Très bien. Allez. Ouais. Merci.